c'était important pour nous d'organiser ce débat-là pour justement inviter tous les acteurs, à savoir la Haute Autorité de la Consolidation de la Paix, le UNHCR qui s'occupe des réfugiés et aussi un acteur de la société civile aussi qui va nous parler de ce thème combien de fois important avec la jeunesse pour qu'on voit ensemble quel est le rôle de cette jeunesse-là dans le maintien de la paix. Je suis très satisfaite parce que là, il y a déjà un point qui vient d'être décanté, c'est-à-dire le fait que le jeune reste à côté pour dire qu'il n'est pas intéressé. Maintenant, pour tous ceux qui sont ici à la conférence, qui ont participé à la conférence, ils ont compris que leur rôle, ce n'est pas de rester et observer, mais c'est de regarder et détecter les problèmes et apporter des solutions aussi. Quand vous prenez ce qui se passe à Diffa, à Tillaberi, dans le nord du Mali, etc., les jeunes ont un rôle à jouer. Et voilà ce qui donne tout son sens à la journée d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi les assises d'aujourd'hui ont permis aux jeunes d'abord de diagnostiquer le problème. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème? Quelque part, la question économique ou bien les questions de développement sont à la base de cette situation. Et une fois que la jeunesse est outillée, une fois que la jeunesse est accompagnée, eh bien, elle ne sera plus tentée à tendre la main à l'obscurantisme, etc.